Et salut à tous et à toutes, c'est Rouliane. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la suite de ma carrière manager avec l'AS Saint-Etienne pour l'épisode numéro 13. On est dans le dernier épisode de cette première saison. Au programme de cet épisode, deux matchs contre Laval, surtout contre Laval pour le premier match. On est premier avec un petit point d'avance sur le FC Metz. On était mal embarqué quand même dans le dernier épisode parce qu'on n'était plus premier à un moment. On a réussi à reprendre cette première place, il me semble, dans le dernier match. On va regarder dans le calendrier. Oui, avec la victoire contre Le Havre 3 buts à 1, c'est ça qui nous a permis de valider en fait cette première place, enfin, de repasser juste devant avec un point, mais qui va peut-être beaucoup compter dans cette fin de saison, parce qu'on va jouer Laval à l'extérieur et Annecy à domicile, en l'espérant gagner. De toute façon, notre manager est toujours aussi critique, mais on est le titre du club, c'était de gagner 20 matchs, on est à 19 matchs, on va aller ça. Voilà, obtenir 20 victoires, on est à 19, donc peut-être qu'en gagnant ici, ça nous ferait du bien. On verra, peut-être notre note va augmenter, on verra bien. Du coup, on est parti, les gars, pour le premier match de cette vidéo, pour les meilleures actions. Comme d'habitude, la compo, elle est parfaite. Du coup, on est parti. Let's go. Allez, première action pour l'instant, 10 minutes de jeu, il se passe pas grand-chose. Attention, il est passé, non, le face-à-face. Oh, le ballon piqué et l'ouverture du score, c'est pas possible. Ça commence très mal, les gars. On est peut-être déjà plus premier. Super, ça fait plaisir. Allez, la réaction Wadji, accélère. Il reste un déjà plus de 20 minutes, faut revenir dans ce match. Wadji, bien joué, Cafaro. Cafaro, l'extérieur, bien joué. L'égalisation, les gars, magnifique. On revient un but partout, on n'a pas trop eu le temps de paniquer. Alors, je sais même pas pour l'instant le résultat de Metz, donc ça se peut qu'on est même plus premier. Mais au moins, on revient dans ce match. C'était très important de revenir. Du coup, on est peut-être bien, en espérant que, bien évidemment, Metz perd. Mais super bien joué pour l'instant. Le but est plutôt beau en plus, donc cool. Non, non. Il passe pas. On défend bien. Non, le centre. Non, ce coste de cette chatte. C'est pas possible, les gars. Et Laval qui reprend l'avantage 10 minutes après qu'on ait marqué. Ah, c'est compliqué ce match, c'est compliqué. Ah, c'est la mi-temps, ça va être la mi-temps, voilà, mi-temps. On est mené pour l'instant 2 buts à 1 contre Laval. Metz fait 0-0 pour l'instant, du coup on est à égalité de points. Ça va se jouer à la différence de but, j'avoue que je me rappelle plus trop la différence de but, en espérant qu'on est devant. Parce qu'on marque pas mal, mais on se prend également beaucoup de buts. Donc on va essayer de façon de revenir dans ce match. Du coup, bah let's go, hein, mais il y a quand même largement la place, je trouve. Bien joué Ribeiro, Nadé, bien joué avec Masson côté gauche, on essaie de trouver une bonne passe là, Baturina s'est passé, mon conduit bien joué, oh la passe Ribeiro, magnifique, légalisation, tout de suite les gars en deuxième mi-temps, on met la pression, on revient de 2 et maintenant faut gagner ce match comme ça, on n'en parle plus, on est champion et basta. Jouer, oh non, la perte de balle. Allez, mon conduit. Ouais, bah les couilles. Gros tac par derrière. Y'a pas faute, les gars. Bien joué. Oh, si on marque là-dessus, Ribeiro, bien joué. Avec Masson. Ah, c'est dur. Non, il passe Masson. Le centre en retrait. Oh, le but. Magnifique. On prend l'avantage. 3 buts à 2. Vamos. Oh là là, on a beaucoup de réussite. Hein, parce que franchement, enfin, c'est même pas la réussite. Hein, c'est vraiment l'arbitrage catastrophique qui avait clairement faute. Enfin là j'ai fait vraiment un putain de tac par derrière. Mais l'arbitre jouait, il n'y a pas de souci parce que là vraiment j'ai pas du tout pris le ballon. J'y allais pour faire faute, hein. J'avais vraiment pas envie d'avoir une contre-attaque. Et non, bah l'arbitre il voulait pas faire faute donc tant mieux. On va regarder juste le relancer parce que franchement pour moi il y avait largement faute. On voit. Bah, déjà il est derrière le joueur donc je vois pas comment il peut prendre le ballon. Ah ouais, il y a clairement faute. Ça peut même être rouge. Donc là on va dire qu'on s'en sort quand même plutôt bien. Allez, ça passe, il reste 10 minutes, les gars, il reste 10 minutes, le centre, c'est compliqué, mais c'est peut-être pas fini, le centre en retrait, bien joué, c'est pas fini, bats-toi, allez, bats-tu rien, oh là là, la chatte, on a énormément de réussite, le but, il est dégueulasse, franchement, c'est dur de faire pire, il est affreux, oh là là, au moins, il s'est battu jusqu'au bout, il a rien lâché, et Moufek, Wadji, il reste 2 minutes, le centre pour Chambos, la tête. Oh l'arrêt transversal, dommage. On était pas loin du 5-2. Ah, ça va être la fin. Voilà, c'est fini. Il va peut-être pas laisser le corner si. Si, il laisse le corner. Bon, de toute façon, on a 2 buts d'avance, ça devrait le faire.
Allez, bien joué Green, c'est terminé, victoire 4 buts à 2, la montée, le titre n'est pas encore validé parce qu'il n'y a pas de cinématique, donc bah, ça veut dire qu'on avait un point d'avance, bah, ça veut dire qu'ils ont gagné, ça veut dire que le FCMS normalement a dû gagner malheureusement. Ouais, on fait le double de tiers, donc plutôt logique. Ah non, ils ont fait 0-0. Attends, on a combien de points d'avance? On a... Ah bah oui, ça fait 3 points d'avance, ouais. Mais la différence de but, on est largement au-dessus, donc les gars, on est champion. On est champion, à moins de perdre 5-0 et que Metz gagne 10. Du coup, on est parti, les gars, pour le deuxième match de cette vidéo, enfin du coup, le dernier. En espérant gagner, bien finir à domicile, même si normalement il n'y a pas trop de pression, parce qu'on est quand même assuré de finir premier. Allez, c'est parti! Dernier match de cette vidéo, dernier match de cette saison, on va essayer de clôturer de la plus belle des manières. En plus, on est à domicile contre une équipe comme qui est relativement plus faible que nous, donc normalement il y a tout qui est écrit pour faire un bon match, pour prendre des points, et si possible 3, et puis voilà, même si la différence de but, on est devant. Si on peut éviter de perdre, ce serait quand même pas mal. Bien joué Ribeiro, Cafarou. Oh la passe pour Maçon, le face à face. Oh magnifique, magnifique les gars. Bon, enfin, ça commence très très bien. 1-0, Maçon. Je sens qu'on peut peut-être dérouler dans ce match assez facilement. On l'espère en tout cas. Allez, il passe pas les gars, il passe pas. Non, où il est tout seul. Il est tout seul, Bossetti tout seul. Ouh, bien joué Green. Je pensais qu'il allait faire le ballon piqué. C'est peut-être pas fini, Pajot. Non. Ah, Pajot, hein, l'ancien Stéphanois. Oui, c'est le seul ancien Stéphanois pour l'instant. Mais il y a Bossetti qui est un ancien Nissour. C'est pas possible. Bon, en parlant du loup, Bossetti. Ah, c'est lui qui la touche. C'est lui qui la met en plus. Oh, il nous fait très très mal, Bossetti. J'aime pas trop le joueur. C'est vraiment un ultra niçois. Il a un peu chambré Saint-Etienne. Ah, il la touche. Ah, il la touche. Allez, elle allait dedans, mais bon, il voulait son but, il voulait ses stats. Égalisation, les gars. Ah, dommage. Jonadé, solide. Oh, solide, c'est quoi cette passe? C'est quoi cette passe? Attention, ce panneau. Bossetti. Oh, le crochet, il met mal. Et voilà, 2-1. On est en train de prendre l'eau, les gars. Bossetti nous fait très, 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 très mal. La finition, pour l'instant, elle est incroyable. Avec lui, là, il veut rien nous laisser, malheureusement. Bon, c'est comme ça. Allez, Baturina, mais je suis tout seul, Maçon le face à face enroulé. Oh, pénalty. Oh, pénalty. Bien sûr qu'il y a pénalty. Maçon, pour l'instant, qui est dans tous les bons coups. De toute façon, cette saison, il nous a tellement apporté. Mais c'est vrai que depuis qu'il est ligue, il fait du bien. En plus, je sais même pas s'il a réussi à marquer. Hein, parce que Maçon, il a pas de bonne finition. Donc, t'es pas convaincu. Non, on va faire tirer, bien évidemment, Ribeiro, mon buteur, mon numéro 9, à la demi-heure de jeu. Ribeiro le face à face. C'est pas possible, ça veut pas... Ah, heureusement qu'on a quand même... que Metz n'a pas gagné, parce que c'est-à-dire que là, on serait pas champion. Enfin, que Metz n'avait pas gagné dans le dernier match. Parce que là, on est mené 2-1 à la demi-heure de jeu. Bien joué Nadé quand même, la récupération, mon conduit, Ribeiro... Cafaro, écarte. Oh, écarte. Oh, bien joué Ribeiro. Ribeiro le face à face. Oui, oh, magnifique. Quelle finition. Il vient de se rattraper magnifiquement bien. Ça fait 2-2. On est très bien. On est très bien. On a réussi à pas trop tervijasser. Je sais même pas de tervi. Bon, t'as compris, on a pas trop paniqué. Surtout bah, Ribeiro qui se rattrape très très bien après son pénalty raté. On va dire son pénalty arrêté par le gardien. Mais là, la finition, elle est propre. Enfin, franchement, du mauvais pied, bah, rentrant. Franchement, rien à dire. Au moins on égalise, au moins avant la mi-temps, donc comme ça, on est plutôt serein. Faut au moins essayer de pas perdre, les gars. Déjà, pas perdre, ça c'est quand même pas mal. Allez, le coup franc, là il y a quelque chose à faire, les gars. Là il y a quelque chose à faire, le coup franc, Cafaro. Peut-être essayer de la mettre, même si je suis très nul en coup franc, j'ai envie de tenter un extérieur du pied. Voilà, on va tenter. Alors, après, j'avoue, je sais pas trop comment doser. On va faire un petit peu au pif, on va voir. Mais bon, moi, les coups francs, c'est très rare que j'en mets. Bien joué! Oh, elle était belle, dommage. Putain, ça aurait été beau de marquer sur ça quand même, les gars. Dommage. Non, les gars, pas avant la mi-temps. Pas avant la mi-temps. On résiste. On l'empêche de centrer. Bossetti, encore lui, toujours lui. Mais bon, ça sort du coup, mi-temps. 2-2. Pour l'instant, c'est un match assez ouvert, assez sympa. En vrai, il y a des occasions de part et d'autre. Je pense que c'est plutôt logique. De toute façon, Metz, on s'en fout un peu de leur résultat. Du coup, on est parti pour la deuxième.
Non, 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 Bossetti, non, Bossetti, calme-toi. Oh, il va faire la passe D. Il n'y a pas hors-jeu. Oh, il n'y a pas hors-jeu. Dans Bossetti, il est dans tous les bons coups. S'il marque pas, il fait la passe D. Bon, bah, on est mené. 3 buts à 2, les gars. Là, c'est ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est limite du hors-jeu quand même. Hein. Bon, on va essayer de revenir. Hein. Il reste encore un peu de temps. Allez, les gars. Oh là là, on n'arrive pas. On n'arrive pas. Bossetti, encore lui. Il va nous mettre un pion. Il va nous mettre un pion, mais c'est incroyable. Il va te faire foutre, Bossetti. Je te déteste. Je peux pas te saquer. Ah, l'enculé. Heureusement qu'on va être champion quand même, parce que sinon. Allez, le coup franc, on sait jamais qu'après là c'est un peu loin. Ouh. C'était pas loin en vrai. Bien joué, Baturina. Il reste 10 minutes. Allez, Masson, Cafaro. Oh, ça passe. Oh, ça passe, Ribeiro. Ça passe, sa puissance. Bien joué. Et le centre en retrait, le centre en retrait, Cafaro. Baturina, bien joué. On revient à 4-3, les gars. Au moins, les supporters pour le dernier match, ils auront vu quand même beaucoup de buts. Et ça fait plaisir. Mais c'est plutôt une belle action collective. Mais 7 buts dans le match, c'est qu'à chaque fois il y a beaucoup de buts, c'est vraiment monstrueux. Mais là c'est une belle action. Allez, Ribeiro, pourquoi pas? Pourquoi pas la frappe de loin? Non! Putain, elle était pas loin du 4-4. Dommage, c'était une dernière occasion, je pense, pour essayer de revenir. Du mauvais pied, ça passe pas si loin. En plus, il a déjà marqué du pied gauche tout à l'heure. Donc bon. Tant pis. Même s'il reste du temps encore. Bien joué, ça passe, Palencia, ça passe, dernière action du match. Dernière action du match, pourquoi pas essayer de choper le match nul. Ah non, ouais, c'est fini. C'est fini, les gars. Ouais, c'est terminé. Défaite, 4 buts à 3, mais c'est une victoire. Parce que on est champion de Ligue 2, la cinématique. Ça fait plaisir, les supporters qui sont contents. Et oui, Palencia, avec ton dégradé magnifique. On a mis comme 3 buts, hein, 3 buts, mais tu perds quand même triplé de Bossetti. En plus, il fait une passe D, vraiment Bossetti. Il nous aura fait très très mal aujourd'hui. C'est comme ça. Bien joué, les gars. Ça a été comme une saison très difficile, on va pas se mentir. On a vraiment bien démarré dans le sens où on a enchaîné les victoires. Et puis après, il y a des mises à jour qui ont fait qu'en gros, je perdais quasi tous les matchs. Donc on était vraiment descendu, je sais pas combien de points d'avance on a eu au maximum dans cette saison, on avait quand même énormément de points d'avance, mais on les a tous perdus. Jusqu'à plus être premier, mais on a réussi quand même un magnifique plan du cadre à bien jouer. Mais après on a réussi quand même à garder cette place et à gagner quelques matchs, même si on était plus du tout impressionnant. Il était quand même temps que la saison se termine parce que je pense que il restait encore une dizaine de matchs, je pense que le titre on le perdait. Allez, Nadé capitaine, c'est beau, hein, ou c'est même moche un petit peu, mais bon, ça passe. On est champion de Ligue 2, on va jouer en Ligue 1 normalement si on se fait pas virer. Parce que peut-être que les dirigeants vont pas vouloir nous garder. Bon, on verra bien les fleurs d'artifice, c'est beau, les supporters qui sont contents. C'est le tout de beauté. Et oui. Bon, ça fait triste de voir comme le logo Ligue 2. Ah oui, là, ça célèbre. Mais Ribeiro, quand même, grosse saison. Hein. L'un de nos meilleurs joueurs, quand même, il a mis 20 buts. 19 ou 20 buts en Ligue 2, donc très grosse saison. Et Green qui est encore là, titulaire. Ce qui est vraiment un contraste énorme avec la réalité. Allez, la photo. En vrai, il y a zéro joueur qui sont modélisés, c'est fou. Attends, on est qu'un petit club de Ligue 2, malheureusement. On est qu'un club qui est 20ème de Ligue 2. J'aurais préféré quand même être 20ème sur FIFA et premier dans la réalité. On avait mis un très beau but quand même pour commencer, hein, Masson. Franchement, c'est une belle action collective. Donc je pensais qu'avec le premier but, on allait pouvoir dérouler, mais finalement, pas du tout. Metz qui a gagné 2-0, donc on est à égalité de points. Donc ça s'est joué à la différence de but. Ah ouais, 68 points, on a eu beaucoup de réussite quand même. Les objectifs, on a rempli le chiffre des 20, mais c'est toujours 49. Hein. Notre manager ne veut pas augmenter quoi. Enfin, sérieux, je suis champion de Ligue 2. J'ai atteint le chiffre des 20 victoires. Ils veulent quoi d'autre? Ils veulent quoi d'autre, sérieux? Voilà, on va jouer. Est-ce qu'il y a une petite pépite qui vaut le coup? Ouais, il y a le petit Léonard. Vas-y, hop, je te rajoute. Et let's go. Allez, maintenant on va avancer tranquillement. Bon, fin de saison. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que nous ne sommes pas entièrement satisfaits par nos résultats cette saison. Nous ne sommes pas parvenus à atteindre certains objectifs et nous sommes en deçà de vos espérances sur le terrain, mais aussi en dehors. Sur le terrain. En deçà de nos espérances sur le terrain. On a fini premier, enculé, va. Putain.
Allez, on est parti pour la deuxième saison. Bon, un manager qui est toujours aussi faible, hein, ça c'est quand même fou. Je sais pas quoi faire, hein. Franchement, je sais pas quoi faire là. Il faudra que je personnalise le club. Ah oui, ça c'est. Ça on s'en fout. On va regarder les objectifs. Toujours 49. Ils veulent qu'on recrute deux joueurs. Qui est-ce que c'est quoi ces objectifs flingués encore? Si au moins 3 joueurs de moins de 20 ans et d'un meilleur potentiel que la moyenne, recruter deux joueurs du centre de formation au poste défenseur. Ok, donc dans les objectifs, ils me parlent même pas de championnat. En plus, c'est vraiment la priorité. Genre, vraiment, moi, bon, ça, par contre, je vais essayer de les faire parce que si je fais pas, je pense que je vais me faire virer. C'est une série de 5 matchs en défaite, ok. C'est un joueur de la même nationalité que celle du club. Pff, ça, c'est pas réaliste aussi. Enfin, dans la vraie vie, il n'y a jamais un président qui va dire ah, je veux que tu recrutes un Français ou je veux que tu recrutes un Belge. Tu vois, qu'ils sont à foutre de la nationalité. Mais bon, c'est quand même critique. Donc on va essayer de prendre un joueur du centre de formation et puis même s'ils sont nuls au moins bah, remplir les objectifs parce que comme ça nous permettrait d'augmenter notre manager et d'être un tout petit peu plus serein. Alors personnaliser le club, on va rien changer. Ok. Comment je fais pour Non, je veux pas changer, on reste en Geoffroy Guichard, 42 000 places en plus c'est parfait. C'est ça. Voilà, les entraînements, on va mettre un petit A. Du coup, moi, je vais arrêter cette vidéo ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me proposer des joueurs pour la saison. On a un petit peu de budget, voilà, 16 millions. On aura peut-être quelques ventes, on verra. Voilà, n'hésitez pas à me dire quelle recrue, qui garder, qui vendre. Voilà, je compte sur vous dans les commentaires. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Roulian. Ciao.